on demande des réparations pour tout ce qu'on a subi, pour toutes les violences. Et voilà, à savoir qu'on est quasi que des femmes. Qu'on a fait face, nous, femmes, à ces monstres, quoi, clairement, à ces monstres. Donc, c'est plus facile de s'en prendre à une femme qu'à un homme. C'est du micromachisme au quotidien. C'est dans les petits faits du quotidien que Madame Le Bouch invalide. Elle voit pas où est le problème. Malheureusement, on essaie de tenter de cacher les choses. Mais il faut savoir que voilà, donc il y a pas mal de femmes qui sont harcelées, qui sont insultées. Dernièrement, une dame qui travaille ici, qui a simplement dit non, s'est fait lâchement renvoyer. On ressent une pression, que ce soit de la part du patronat ou des salariés plus hauts au niveau de hiérarchie sur les petits travailleurs. Que ce soit des harcèlements faits aux femmes ou à des hommes, pour moi ça me touche autant. Les femmes sont quand même plus discriminées que les hommes vu qu'il y a le sexisme en plus. Notamment dans ces cas de harcèlement des travailleuses de Godiva. Je trouve que le travail est déjà assez un poids dans la vie des gens en général pour qu'en plus on en rajoute à travers du harcèlement, du sexisme, du machisme et pour qu'en plus des gens soient couverts par des directions qui font des profits incroyables. Quoi. Non, harcèlement pour un travail décent. Non,